La fourmi volante. La petite fourmi arriva chez sa mère, toute et en pleurs. Sa mère se précipita vers elle, la serra sur son cœur et dit « Qu'as-tu, ma petite chérie? Pourquoi toutes ces larmes ?» La petite fourmi répondit « Je voudrais avoir deux ailes pour voler comme tous ces oiseaux. Je suis allée dans les champs aujourd'hui et j'ai vu de mes propres yeux comme ils étaient heureux de planer dans les airs, comme ils sont fiers de leurs ailes. Je me sens si triste, maman. Pourquoi avons-nous été créés sans ailes? Pourquoi, maman, pourquoi? Je me déteste. » La mère lui dit, « Doucement, ma petite fille, calme-toi. Ne sois pas si triste. Nous autres, d'espèces des fourmis, Dieu nous a faites ainsi sans ailes. Et ce n'est pas un défaut. Nous sommes dotés de bien d'autres qualités que beaucoup nous en vient, comme notre vivacité, notre amour du travail, notre capacité à porter des charges dont le poids dépasse plusieurs fois celui de notre corps, notre cohésion dans le travail, notre amour de la propreté et bien d'autres merveilleuses qualités. Et nous autres, les fourmis, sommes fiers de ces nombreuses qualités qui nous caractérisent. » Mais la petite fourmi, peu convaincue par les paroles de sa mère, demeura triste et la tête baissée. Elle poussait de gros soupirs, souffrait, mais ne pouvait oublier tous ces oiseaux qui tournoyaient au-dessus de sa tête. Elle entra dans une colère folle et se mit à réfléchir, nuit et jour, à qui elle pourrait s'adresser pour obtenir ce qu'elle désirait. Elle en vint à se mépriser et à mépriser toutes les créatures qui n'avaient pas d'elle. Elle en perdit le sommeil, perdit du poids, et se renferma sur elle-même, au point qu'elle ne parlait plus à personne. Un beau jour, la sorcière ayant entendu parler du cas de la petite fourmi, lui rendit visite, décidée à l'aider. Elle lui dit, « Je vais te donner ce que tu désires, ma petite. » La sorcière leva sa baguette magique en l'air en prononçant des mots incompréhensibles. Instantanément, la petite fourmi se retrouva avec deux petites ailes. Elle se réjouit et remercia la sorcière pour avoir réalisé son souhait. Puis, sans perdre un seul instant, elle commença à voler et à tournoyer avec délice dans les airs, se moquant de toutes les fourmis qu'elle voyait marcher sur le sol. À peine quelques minutes plus tard, elle se heurta à un gros oiseau effrayant qui fonça vers elle et l'attrapa avec son bec. La petite fourmi finit dans le ventre de l'oiseau. Et c'est ainsi que la pauvre petite fourmi paya de sa vie son étrange souhait, à vouloir l'impossible en cours à sa perte.